Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exotcol, aujourd'hui numéro 87. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui vous fera toucher du doigt des objets qu'on utilise fréquemment pour démontrer un gros résultat d'algèbre linéaire qui s'appelle la formule de décomposition de Frobenius. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la décomposition de Frobenius, c'est le fait de pouvoir dire que n'importe quelle matrice dans Mn de K peut être semblable à une matrice où on va avoir des diagonales, on va avoir en fait finalement une diagonale par bloc, et chaque bloc, ça va être une matrice dite compagnon. Alors c'est quoi une matrice compagnon? Rapidement, c'est une matrice où vous avez des 1 dans la sous-diagonale, et la dernière colonne, vous pouvez avoir des coefficients qui sont non nuls, mais tout le reste vont être, tous les restes des coefficients vont être nuls. Donc c'est ça, avoir une matrice compagnon. Et donc on peut trouver une matrice dans la classe de similitude de n'importe quelle matrice qui va s'écrire sous la forme de matrice compagnon par bloc. Alors on pourrait être un petit peu plus précis encore sur cet énoncé en disant qu'en fait les matrices compagnons sont associées à chacune de ces matrices compagnons. On peut associer un polynôme qui correspond en fait au polynôme annulateur de la matrice compagnon, et on peut faire en sorte que les polynômes qui interviennent ici, donc les polynômes annulateurs, se divisent les uns sur les autres. Donc on a une divisibilité qui est respectée, l'ordre de divisibilité qui est respecté par les polynômes qui annulent chacun des blocs, donc des matrices compagnons qui apparaissent dans la décomposition qu'on propose. Donc c'est ça l'énoncé de Frobenius. Donc vraiment, en fait, ça décrit toutes les classes de similitudes, un peu comme la décomposition de Jordan, mais là, cette fois-ci, c'est avec des matrices compagnons. À savoir que ce résultat est valide pour n'importe quel corps K. Donc c'est quand même assez important de le notifier, parce que c'est pas juste travailler avec un corps algébriquement clos, chose qui arrive très souvent, et notamment pour la question de décomposition de Jordan, on travaille avec un corps algébriquement clos. Ici, c'est un résultat qui est valide même si votre corps n'est pas algébriquement clos. Donc c'est quand même un tout petit peu plus intéressant peut-être que la décomposition de Jordan dans ce sens, bien qu'on l'utilise moins. Bon, c'est un peu dommage. Bref, l'exercice que je vous propose a pour but de vous faire manipuler des objets en lien avec la décomposition de Frobenius, et de vous démontrer d'ailleurs un résultat qui est assez utile pour démontrer la décomposition de Frobenius. Je pense qu'à un moment donné, je vous proposerai un exotcol qui aura vraiment pour but de faire la démonstration de la décomposition de Frobenius. Mais pour l'instant, j'aimerais vous proposer un exercice assez sympathique qui manipule donc les objets qui sont en lien avec cette décomposition de Frobenius. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Nous avons un C espace vectoriel de dimension finie. Donc ici, on va travailler avec le corps des complexes. Et E, c'est notre espace vectoriel. On va noter U, un endomorphisme de E. On va également noter pi, indice U, son polynôme minimal. Et pour rappel, c'est le plus petit polynôme au sens de la divisibilité ou au sens du degré. Tel que, si je fais le polynôme évalué en U, ça me donne l'endomorphisme nul. Ok ? Et puis, je vous introduis également une autre famille de polynômes. Pour n'importe quel X dans E, on va noter pi, indice UX, le polynôme minimal de U de X. Et ici, j'entends que c'est le plus petit polynôme au sens de la divisibilité ou au sens du degré, tel que si je prends le polynôme, je l'évalue en U, et l'endomorphisme que j'obtiens, je l'évalue en X, et bien ça donne le vecteur nul. Donc c'est ça que j'entends par polynôme minimal de U de X. Je prends le polynôme, je l'évalue en U, ça me donne un endomorphisme, cet endomorphisme, je l'évalue en X, ça donnera 0. Le but du jeu est de démontrer qu'il va exister un x dans E tel que πux, c'est exactement égal à πu. Alors c'est un exercice qui est tout à fait faisable en deuxième année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait vu des notions autour de l'anneau des polynômes, qu'on ait vu également des choses autour des polynômes d'endomorphisme. Je pense que ça peut être assez utile d'avoir manipulé ce genre de choses avant d'attaquer cet exercice. Et puis, un autre truc aussi intéressant, ça vous fait manipuler donc des objets en lien avec la décomposition de Frobenius, et notamment ces πux, qu'on appelle polynômes conducteurs, et qui jouent un rôle vraiment prépondéral justement la décomposition de Frobenius. Et vraiment, c'est un rôle majeur. Alors j'aimerais vraiment insister sur le fait que πux est vraiment un polynôme bien différent de πu. Prenez par exemple le vecteur x égale 0, le polynôme minimal que vous allez obtenir ici, ça va tout simplement être le polynôme constant égal à 1.
Car en effet, si je prends le polynôme constant égal à 1 et que je l'évalue en u, ça me donne l'identité. Et l'identité en 0, ça donne 0. Donc, pi u du vecteur nul, ça sera 1. Je vous rappelle que le polynôme minimal, hein, tout comme pour le polynôme minimal de u de x, tout comme le polynôme minimal de u, il doit être unitaire et bien sûr plus petit au sens du degré et au sens de la divisibilité. Voilà, donc il y a aussi cette propriété d'unitarité à respecter, que j'avais omis de mentionner juste avant. Bon voilà, bah, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire autour. Ah oui, alors peut-être un dernier truc, cet exercice-là, c'est un exercice quand même assez classique qui peut tomber dans pas mal de choses. Alors c'est déjà tombé dans des concours de prépa, donc notamment Centrale, XENS. C'est également tombé dans des concours d'agrégation, assez récemment d'ailleurs, je crois il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, agrégation interne, agrégation externe, ça peut tomber également en CAPES, CAPES interne, CAPES externe. Donc je pense que ça peut ravir un peu tout le monde de travailler cet exercice et de voir à quel point on est à l'aise à manipuler les polynômes d'endomorphisme. Donc voilà, je pense que ça peut être utile un peu pour tout le monde. Maintenant que j'ai dit ça, je pense avoir vraiment dit tout ce que j'avais à dire. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant donc une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé, parce que c'est un exercice vraiment très sympa à faire, pour vraiment mieux comprendre comment les polynômes agissent sur les endomorphismes et tout ça. Enfin, je pense que c'est assez pratique comme exercice. Alors, je vais vous proposer un plan d'attaque. Et je vais m'y conformer. Alors, le premier truc qu'on va démontrer, c'est qu'en fait, le polynôme PUX, il divise PU. Donc, divise PU pour n'importe quel x dans le... C'est pas un résultat si évident, donc ça c'est facile à énoncer, mais si on n'est pas très à l'aise avec l'algèbre en toute généralité, c'est pas un résultat évident. Deuxièmement, je vais vous faire une démonstration d'un résultat assez classique, c'est le résultat de l'union des espaces vectoriels. Donc si je prends F1 jusqu'à FD DSEV de E, alors l'union des FI, I allant de 1 à D, est un SEV de E si et seulement si il existe un K, il existe un K dans un D, tel que pour tout I dans un D, FI est inclus dans FK. C'est un résultat très classique, je suis quasi certain que tout le monde en classe préparatoire première année a déjà fait la preuve que si j'ai 2 espaces vectoriels, l'union est un espace vectoriel si et seulement si l'un est inclus dans l'autre ou l'autre est inclus dans l'un. Je suis sûr que vous avez déjà fait cet exercice. Et bien là, c'est une généralisation de cette propriété. Et je pense que c'est assez intéressant de voir comment démontrer cette généralisation, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une preuve par récurrence. Donc voilà, je pense que ça peut être assez intéressant de vous reparler un peu de ce résultat. Et un autre truc que je rementionnerai plus tard, c'est l'intervention du corps sur lequel on est en train de travailler les espaces vectoriels. Et enfin, bah, troisième point, on va conclure. Alors je demande directement à conclure, parce que si je donne une autre sous-question, j'ai bien peur de vous donner déjà quasiment la fin de la résolution. Donc c'est pas la peine que je fasse ça, je vous demanderai donc directement de conclure à partir des résultats que vous aurez trouvés précédemment, et qui vont être normalement très utiles. Bon voilà, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour le plan de la résolution que j'aimerais vous proposer. Donc, je vous invite à faire à nouveau une pause pour essayer de résoudre l'exercice en suivant ce plan, essayer de voir en quoi, déjà comment démontrer ces choses-là, et en quoi ces propriétés vont être utiles pour démontrer le résultat final. Donc voilà, ça peut être sympa à réfléchir là-dessus. Donc je vous invite à faire une pause avant que je ne vous fasse donc la résolution point par point de cet exercice. Ok, j'espère que vous aurez essayé, encore une fois. Donc je vais effacer et je vais me lancer. Hop. Avec le premier point. Alors je vais me permettre d'écrire ici les choses que j'aurais réussi à faire petit à petit. Donc premièrement, je vais donc démontrer que PUX divise PU pour tout X dans E. Alors je vous rappelle que PUX, il est défini comme étant le plus petit polynôme tel que, donc plus petit polynôme au sens du degré ou au sens de la divisibilité,
tel que ça vérifie cette condition. Juste pour rappel, hein, parce que je pense que ça peut être intéressant, comment on peut vraiment définir ou dire que ce genre de polynôme existe? Eh bien, on joue avec les idéaux, et donc notamment, on peut introduire l'idéal Ix, qui est l'ensemble des polynômes à coefficients dans C, tels que PU de X, c'est égal à 0. Donc ça, on peut s'amuser à vérifier que Ix est un idéal. Alors, je ne vais pas le faire, mais je rappelle simplement qu'un idéal, c'est censé être un sous-groupe additif de ces crochets X. Donc ça doit être un ensemble qui est stable pour l'addition. Ça doit être également stable pour l'absorption. Donc c'est-à-dire que si je multiplie un élément, donc si je prends un élément de l'idéal et que je le multiplie par n'importe quel élément de ces crochets X, alors je reste dans l'idéal. Donc ça doit être absorbant. Okay ? Il y a la propriété de multiplication qui doit être aussi respectée. Donc c'est ça, avoir un idéal. Ici, je parle bien d'idéal bilatère, hein, puisque là, on travaille avec ces crochets X qui est commutatif. Donc ça va être un idéal à gauche et à droite. Ici, je ne me préoccupe pas du tout d'idéal à gauche et d'idéal à droite. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc c'est un idéal de ces crochets X. Et qu'est-ce que l'on sait à propos de ces crochets X? Et c'est là où je disais que c'était important d'avoir des notions autour de la structure de l'anneau des polynômes. Il faut se souvenir que cet anneau est un anneau principal. Or, ces crochets X est principal, et dire que cet anneau est principal, je vais y arriver, principal, ça veut dire alors que tout idéal de cet anneau est également principal. Bon, là, vous me direz, j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais dire qu'un idéal est principal, ça veut juste dire que l'idéal est engendré par un seul élément. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que Ix peut s'écrire un certain polynôme fois ces crochets X. Eh bien, ce certain polynôme, c'est exactement, si on considère le polynôme minimal, c'est exactement considéré PUX. Donc ça veut dire que j'ai l'idéal qui est engendré par des multiples de PUX. Donc voilà ce que ça veut dire avoir un anneau principal et notamment avoir ensuite l'idéal qui est principal. Bien, alors pourquoi je rappelle tout ça? C'est parce que maintenant, pour démontrer que PUX divise PU, il suffit de montrer que PU appartient à l'idéal. Si on montre ça, on a gagné. Alors, ça ne va pas être très très dur. En effet, si je prends si je m'amuse à faire PU de U de X, je vous rappelle que PU, c'est le polynôme minimal de l'endomorphisme U. Donc PU de U, ça fait l'endomorphisme nul. Donc c'est l'endomorphisme nul calculé en X, ceci me donnera le vecteur nul dans E. Par conséquent, le polynôme PU appartient à IX. Et comme PU appartient à IX, ça veut dire que PU est un multiple de PUX. Donc, PUX divise PU. Voilà, le premier point démontré, PUX divise PU. Ok, donc voilà, ça c'est démontré. Maintenant, on va attaquer le deuxième point. Alors, je le dis un petit peu, je vais le dire maintenant, je divulgâche un peu. Le fait de savoir que PUX divise PU, c'est que, par conséquent, les PUX qu'on va regarder, il n'y en a pas besoin d'une infinité. Ok, maintenant que j'ai dit ça, je vais me lancer sur le deuxième point. C'est-à-dire, si je prends F1 jusqu'à FD, DSEV de E, alors l'union DFI à D, est un SEV si et seulement si il existe K, je le réénonce, je pense que c'est important, tel que pour tout I dans 1D, FI est inclus dans FA. Alors, je tiens à le dire tout de suite, avant de me lancer à démontrer ce résultat-là, que ce truc-là est faux. Si je travaille avec n'importe quel corps, il faut pour cela, pour que cette propriété soit vraie, il faut pour cela travailler avec un corps infini.
Tant qu'on travaille avec un corps infini du type R, Q, eh bien là, on n'a pas de problème. Et c'est même pas une question de caractéristiques. C'est même pas forcément une question de caractéristiques. C'est vraiment une question de nombre d'éléments qui peuvent apparaître dans le corps. Donc c'est vraiment lié plus à ça. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est important déjà à noter comme truc. Et pour vraiment vous conforter sur cette idée que c'est important d'avoir un corps infini, ben je vais vous donner un exemple qui va tout de suite mettre, j'espère, tout le monde d'accord. Si je travaille avec E qui est l'espace vectoriel de dimension 2 sur le corps F2, ici F2, vous pouvez le comprendre comme Z sur 2Z. Bon, ben, quels sont les vecteurs qui appartiennent à E? Ben, on a 0, 1, on a le vecteur 1, 1, on a le vecteur 1, 0, et on a le vecteur 0, 0. Ce sont les seuls vecteurs qui apparaissent dans cet espace vectoriel. Eh bien, rien ne m'empêche d'écrire E comme vect de 0, 1, union vect, vect de 1, 1, union vect de 1, 0. Rien ne m'empêche d'écrire cet espace vectoriel comme union des trois droites. D'accord? Union des trois droites qui finalement engendre tout l'espace. Puisque du coup, j'arrive à avoir les quatre vecteurs avec ces trois droites. Et donc bah, là, aucun des espaces vectoriels n'est inclus les uns dans les autres. Et ça me donne un autre espace vectoriel qui est plus grand. D'accord? Donc là, on voit vraiment l'importance de travailler avec un corps infini. Donc si je travaille avec un corps fini, c'est plutôt mal barré. Donc on pourrait généraliser la preuve que je vais proposer à un cadre de corps infini, éventuellement de caractéristiques quelconques, éventuellement, parce que ce n'est pas forcément un problème de caractéristiques. Bien que ici, bon là je vais travailler avec un cadre très très simple, qui est donc ici les C espaces vectoriels, donc là je vais travailler vraiment en caractéristiques nulles et tout ça. C'est pas vraiment une question... voilà, enfin, là ici je ne vais pas me poser plus de questions que ça, mais il est vrai que je pourrais vous... Donc là la preuve que je vais vous proposer, c'est vraiment, ça va vraiment bien marcher pour le cas d'une caractéristique, donc dans le cadre d'une caractéristique nulle, mais on pourrait réadapter la preuve dans le cadre où la caractéristique n'est pas nulle. Bien. Ceci étant dit, je me lance dans la preuve. Alors pour démontrer ce résultat-là, hors de question de faire une récurrence. Il est vrai que bon, bah, la propriété, vous la connaissez depuis un certain temps avec deux espaces vectoriels. Mais si vous jouez avec trois espaces vectoriels et que vous voulez faire une preuve par récurrence, le problème c'est que vous ne savez pas si l'union des deux autres donne également un SEV. Donc vous ne pouvez pas vous amuser à faire une preuve par récurrence de cette manière-là. Parce que vous ne savez pas si l'union des deux derniers, c'est un SEV. On n'est pas sûr de ça. Donc, on ne va pas vraiment faire une preuve par récurrence, mais on va faire une preuve directe. Et la preuve directe, ça va être de la manière suivante. Alors, il y a un sens que je vais faire tout de suite, que je dis tout de suite être évident. Hein, on ne va pas s'y attarder. Ce sens-là, il est évident, puisque si tous les espaces vectoriels sont inclus dans un seul, bon bah l'union que j'ai écrite ici, c'est directement le plus grand. Donc, c'est FK. Voilà, comme ça, c'est réglé. Maintenant, je vais m'intéresser donc à l'autre sens. Et pour prouver l'autre sens, eh bien, je vais faire une contraposition. Je vais supposer qu'on n'a pas d'inclusion entre les FI et je vais montrer que du coup l'union ne peut pas être un SEV. Alors pour cela, ce que je vais dire, c'est que je vais considérer F1, FD, des SEV distincts, tels que, eh bien on va avoir en effet FI qui n'est pas inclus dans FK, enfin FJ. Pour tout i différent de j. D'accord, quitte à enlever des inclusions, on peut faire ça. Donc si on sait qu'il y a certains des FI qui sont inclus dans d'autres, bon, on peut limite les enlever dans notre calcul. C'est pas forcément gênant. D'accord. Donc là, je me restreins à un cas où on n'a aucune inclusion entre les espaces vectoriels qui sont en jeu. Bon, très bien. Alors maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais faire une petite construction qui va vous mettre en avant que, en effet, l'union ne peut pas être un espace vectoriel. Donc, la petite construction, je vais la faire en 2D. Et puis, à partir de ce que j'aurai fait en 2D, vous aurez peut-être compris qu'est-ce qui va se passer. Alors, imaginons, en 2D, je prends un certain nombre d'espaces vectoriels. Disons qu'on a F1 comme ceci. On va dire qu'on a F2 comme cela. F3
comme cela, puis disons F4 comme ça. Alors l'idée de la construction que je vais faire, qui va bien montrer qu'on a un problème, c'est la suivante. Je vais prendre un vecteur qui appartient à F1, mais qui n'appartient à aucun des éléments de l'union. Chose que je peux faire, puisqu'on n'a pas d'inclusion entre les F et I. Ok ? Donc, je peux déjà commencer par faire ceci. Donc, voilà, très bien. Et donc ça, je l'appelle X, disons. Ce vecteur-là, je l'appelle X. Et puis ensuite, je vais prendre un vecteur qui appartient au reste de l'union, mais n'appartient pas à Fi. Donc, je peux choisir un des Fk, et puis dire, ça appartient à un de ces Fk. Donc là, par exemple, je vais dire, ça appartient à F3. Je vais prendre Y qui appartient à F3. Je vais peut-être prendre une autre couleur, d'ailleurs. Hop. Je vais prendre Y comme ça. Et je vais m'intéresser alors à une droite assez particulière, qui va être engendré par un Y et qui va passer par X. Donc en fait, je vais regarder cette droite-là. Et bien, ce qu'on pourra constater sur cette droite-là, et on va le prouver, sur cette droite-là, on pourra constater qu'il va y avoir au plus N-1 intersection avec l'union. Tout simplement parce que vous allez voir que s'il devait y avoir plusieurs intersections, alors, ça voudrait dire qu'on va conclure que le Y, il doit appartenir à un autre des Fi, autre que F3. C'est ça qui va se passer. Et du coup, on va pas être content, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y avait un problème dans la construction qu'on a posée, et que le Y, je pouvais pas choisir comme je l'ai choisi. C'est pour ça que on va pouvoir donc conclure ce qu'on veut. Ok, alors maintenant que je vous ai fait ce dessin, que je vous ai donné un peu l'intuition de la preuve, et la preuve, elle va marcher de la manière suivante. Soit X, un élément de F1 qui n'est pas dans l'union du reste. Et prenons Y, un élément qui appartient... Alors, je pourrais prendre n'importe quel Fi, ça marcherait. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre F2. Mais qui n'est pas dans l'union non plus. Donc là, cette fois-ci, c'est I différent de 1 pour le premier, et l'autre, c'est I différent de 2. Donc je prends ces deux vecteurs, bon là j'ai fait F3 ici, mais dans ce que je vais écrire, je considère F2. Et puis je vais considérer notamment la droite, je vais l'appeler D, la droite engendrée par Y et passant par X, donc c'est-à-dire ça va être X plus les éléments du corps fois Y. Et bien j'affirme que le nombre d'intersections entre D et l'union, ça va être un nombre fini. En effet, donc je vais le faire tout de suite, si on a x plus lambda y qui appartient à Fj, mais qu'on a aussi x plus mu y qui appartient aussi à Fj, avec lambda différent de mu, et j différent de k. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je peux m'amuser à faire la soustraction des deux. Comme Fj est un SEV, ça voudra dire que la soustraction des deux est dans Fj. Et donc, en l'occurrence, lambda moins mu fois y appartient à Fj. Et comme lambda moins mu est non nul, je peux diviser par lambda moins mu et donc obtenir que y appartient à Fj. Or, là, j'ai dit que ça devait appartenir à Fj différent de k. Mais j'avais considéré, donc ici k, j'ai dit différent de k, c'est différent de 2. Hop, voilà. Donc là, j'ai dit j différent de 2. Mais du coup, on avait choisi y qui était dans F2, mais qui ne devait pas être dans les autres. Contradiction, donc. Et voilà, donc on a notre contradiction. Donc ça veut dire que ce genre d'objet va avoir au plus une intersection avec chacun des Fj, J appartenant donc à des valeurs différentes donc de 1 et de 2. Alors, je vais peut-être l'écrire ici. Donc ça veut dire que le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans l'intersection entre D et Fj, c'est au plus 1 pour tout J différent de 1 et de 2. On remarquera que le raisonnement marchera encore pour F1,
hein, parce qu'on sait déjà qu'il y a x qui est dedans, et puis après, bah, il y a x plus lambda y, disons, qui est dedans, bah, même raisonnement, ça marcherait, donc ouf, je peux enlever 1. Ok. Et puis qu'en serait-il pour f2? Bah là, c'est un peu, enfin c'est une autre façon de calculer. Si par malheur on a un x plus lambda y qui appartient à f2, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans ce cas-là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est d'enlever y, parce que je sais que y il est dans f2. Donc si j'enlève y, ben, je peux faire x plus lambda y moins lambda y, ça, ça va appartenir à f2, encore une fois par combinaison linéaire d'éléments d'un espace vectoriel, et ça, ça fait x. Or, x, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, x, ça doit être un élément de f1 qui n'est pas dans les autres. Et là, je suis en train de dire qu'il est dans f2. Bon, ben voilà, contradiction, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'intersection entre f2 et la droite d. Tout ça me permet donc de conclure que D admet, donc D admet au plus N moins 1, ou D moins 1, pardon, intersection avec cette union. Mais c'est problématique parce que bah, si c'était un espace vectoriel, normalement toute la droite devrait être incluse dedans. Donc voilà, voilà la contradiction. Donc je vais effacer un petit peu pour pouvoir écrire cette contradiction. Voilà, donc si... Donc on voit que le nombre d'intersections entre D et l'union des FI, eh bien c'est O plus N moins, enfin D moins 1, qui est donc un nombre fini. Or, si l'union était un SEV, alors normalement D serait complètement incluse dans l'union. Pourquoi? Bah parce que je sais que x est dans f1, y est dans f2, donc ça veut dire que les deux sont dans l'union, et donc ça veut dire que x plus lambda y, c'est toujours dans l'union. Mais là, je suis en train de dire qu'il y en a un nombre fini d'éléments au plus. Bah en fait, il y a un nombre fini d'éléments de la droite qui appartient à l'espace vectoriel. Contradiction. Ben, je trouve que c'est une assez jolie preuve qui marche très bien quand on travaille avec des nombres complexes. Alors pour ceux qui ne voient pas pourquoi ça pourrait poser problème ce type de raisonnement quand on travaille avec une autre caractéristique, c'est notamment à cause de la multiplication par lambda. C'est elle qui est assez problématique. Mais on pourrait réadapter la preuve si on travaillait avec un corps qui n'est pas algébriquement clos. Je ne dis pas qu'on peut la réadapter facilement, mais l'important c'est surtout qu'on travaille avec un corps avec un nombre d'éléments qui est infini. C'est ça le plus important. Donc bon, voilà, si on a ça, bah, c'est suffisant pour pouvoir amener à des choses qui vont nous amener donc à une contradiction. Mais si on a un corps fini, bah, par contre, ça ne marche pas, et je vous ai montré l'exemple avec le corps F2. Bon, voilà, ceci conclut donc ce deuxième point que j'ai démontré dans le cadre où on travaille avec un nombre complexe. Donc je vais réécrire juste la conclusion. Donc l'union suivante est un SEV si et seulement si on a FI qui est inclus dans un des FK. D'accord, donc il existe un K tel que pour tout I. Reste donc le dernier point, c'est-à-dire conclure. Alors pour conclure, je vais faire un truc un peu bébête, mais je vais d'abord dire qu'on a une certaine union qui appartient à E, et en fait qui construit même tout l'espace vectoriel E. Donc, très bien, je peux remarquer que E, c'est le troisième point là, je suis en train de conclure, donc on peut remarquer que E peut s'écrire comme l'union pour X dans E des quarts de pi ux calculé en u. Ça c'est vrai, parce que bon, être dans le noyau de ce truc là, ça veut justement dire que pi, donc pi ux de u calculé en x vaut 0. Donc ce truc là, c'est vrai. Mais vous pouvez remarquer, c'était ça le premier point qui était important, que pi ux divise pi u.
et que, comme je vous ai un petit peu divulgué la chose, vous savez que le nombre de diviseurs de pi u qui sont supposés unitaires, eh bien, il y en a un infini. Or, le nombre de polynômes p qui divisent le polynôme dans c crochet x unitaire, eh bien, ce nombre-là, tel que le polynôme p divise pi u, comme pi u c'est un polynôme, hein, c'est un polynôme d'un degré fixé, eh bien, le nombre de polynômes qui divisent pi u est fini. On peut le compter à l'aide des irréductibles qui apparaissent, par exemple. Donc ça, c'est fini. Alors, tant qu'à faire, je vais lui donner un nom à ce truc-là, ou en tout cas, je vais donner une valeur à cette chose-là. Je vais appeler D, les polynômes qui divisent cette chose. Alors, je sais pas si je devrais l'appeler D, mais bon, disons ça. Alors, si je l'appelle D, ça veut dire que, parmi ces unions-là, je peux juste regarder les unions qui font apparaître les diviseurs du polynôme PU. Donc rien ne m'empêche d'écrire E comme étant l'union des quarts de, disons, P, de P de U, où P divise Pi U. Alors je ferai remarquer que parmi ceux-là, c'est pas impossible qu'il y ait des polynômes que j'ai mis ici mais qui n'apparaissaient pas là-haut. Bon, alors, si tel est le cas, je pourrais soit décider de les enlever, pourquoi pas, hein, c'est pas gênant, ou je peux décider de les ajouter, et puis de dire, le noyau de P de U, dans ce cas-là, si aucun de ces PUX correspond à ce P de U, celui-là, il vaut 0. Donc ces noyaux-là vont valoir 0. Je peux utiliser ça. Bon, vous choisissez ce que vous préférez, mais je pourrais soit choisir l'écrire comme ça, soit choisir de l'écrire comme ça. Alors bon, je vais bien sûr préférer peut-être l'autre notation, comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises, mais je vous assure que j'ai tout à fait le droit d'écrire cette chose. Et puis c'est aussi pour garder le côté pi ux que je veux. Donc rien ne m'empêche maintenant alors d'écrire avec toutes ces explications que je fais une union pour i allant de 1 à p des pi u xp de u, avec p qui va être plus petit que d, plus petit ou égal, sachant que je prends juste un des pi ux qui apparaît là-haut, tout simplement. Bon, et là j'ai donc une union d'espace vectoriel qui donne un espace vectoriel. Deuxième point, si j'ai une union qui donne un SEV, ça veut dire que finalement, il y en a un seul qui contient tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après 2, que ce truc-là, je peux l'écrire juste comme noyau. Alors d'ailleurs, j'ai mis P ici, mais c'est pas P que je voulais mettre, c'est XI. Pour certains, XI dans E. Grâce au deuxième point, on va pouvoir affirmer qu'en fait, cette union, c'est juste un seul élément. C'est donc Ker de un certain pi u xj pour un certain xj dans E. Mais si E est égal à ce noyau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alors que pour tout x dans E, on a pi u xj de u calculé en x qui donnera 0, d'après ce que je viens d'écrire. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pi u xj de u, c'est l'endomorphisme nul. Pi u xj de u, c'est l'endomorphisme nul. Non, puisque cette propriété est vraie pour n'importe quel x. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un polynôme annulateur de U. Mais si c'est un polynôme annulateur de U, je sais déjà aussi que pi U est un polynôme annulateur de U. Et c'est le polynôme minimal
au sens du degré ou de la divisibilité. Donc là, notamment au sens de la divisibilité. Donc là, je vais pouvoir dire que PU divise PUXJ. Ainsi, comme PUXJ est annulateur de U, on a que PU divise PUXJ. Donc ça, c'était le premier point d'ailleurs que j'ai utilisé ici, hein, pour pouvoir dire que l'union, je peux la ramener à une union finie. Et bien là, je vais réutiliser à nouveau le premier point, si vous le voulez bien, parce que là, du coup, je suis en train de dire que PU divise PUXJ, mais j'ai dit tout à l'heure que PUXJ, ça doit diviser PU. Or, les deux polynômes qui sont en jeu sont unitaires, donc ça veut dire que les deux polynômes sont égaux. Donc d'après 1, on sait aussi que PU XJ divise PU, je vais le rappeler, tout simplement, c'est plus ou moins un rappel de ce que j'ai fait ici. Et donc, ben ça veut dire alors, comme, et c'est important de préciser que les polynômes sont unitaires, comme PU et PUXJ sont unitaires, on a PU égale PU. XJ. Je précise pourquoi c'est important d'avoir un polynôme unitaire, c'est parce que avoir la divisibilité dans les deux sens, ça veut dire que les deux polynômes sont égaux, mais à une multiplication d'un inverse près. Donc c'est-à-dire à une multiplication d'un nombre complexe près ici. Donc c'est pour ça que c'est important de préciser que les deux polynômes sont unitaires, parce que sinon on n'a pas égalité, on a égalité, mais à un inverse près. Ce qui change un tout petit peu la chose. Mais voilà, on conclut alors qu'on a bien égalité entre PU et un certain PUXJ. C'était exactement ce qu'il fallait démontrer. Ceci conclut la preuve. Bon voilà, bah, c'est un joli résultat, je trouve. Et puis bah, vous voyez que ça a fait appel à 2-3 trucs assez sympas. Donc la question de divisibilité des polynômes qui a fait apparaître le fait que l'anneau des polynômes est principal. Ce truc-là, qui est un truc assez classique, mais qui, bon, admet quand même plusieurs types de preuves, suivant le corps sur lequel on travaille. Là, je vous ai proposé une preuve qui marche très bien pour les corps infinis. Donc là, plus précisément, pour les nombres complexes, les réels ou les rationnels. Ça demanderait un peu plus de boulot pour les corps infinis à caractéristiques données, qui seraient non nuls, bien sûr. Bon, il existe des preuves, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ça. Ça peut être intéressant de se poser la question comment ça marche. Mais de noter que cette propriété n'est pas vraie quand on travaille donc avec un corps fini. Mais après, vous pouvez vous poser alors la question, est-ce que ce que j'ai fait comme démonstration, ce truc-là, est vrai, même si je travaillais avec un autre corps? Alors, par rapport à ma preuve que je viens de proposer, vous pourriez dire, bah non, parce que 2 est faux pour n'importe quel corps. Et bien pourtant, cette propriété, elle est vraie pour n'importe quel corps, et même un corps fini. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus difficile de démontrer cette chose si je travaille avec un corps fini. Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer par le 2. Je suis obligé de vraiment manipuler les polynômes eux-mêmes par rapport à des vecteurs bien précis que je choisis. C'est là la grosse difficulté. Alors, il y a un sujet d'agrégation. Je crois que c'est un sujet d'agrégation interne d'il y a un an ou deux, peut-être 2 ans. Il y a un sujet d'agrégation interne qui traite vraiment du sujet de fond en comble, qui travaille dans le cas où on a un corps infini dans un premier temps, puis un corps fini, et qui démontre ce résultat. Et en fait, même encore plus, il va jusqu'au bout, il va même jusqu'à démontrer la décomposition de Frobenius. Donc c'est vraiment un super sujet d'agrégation. Donc je vous invite vivement à aller le consulter si ça vous a piqué la curiosité de voir les manipulations qu'on a faites ici et peut-être d'essayer d'en savoir un peu plus à travers un vrai sujet quoi qui vous dit un petit peu plus ce que vous pourriez faire et éventuellement consulter les corriger, ça peut être sympa. Mais voilà, donc c'est un exercice je trouve très très cool hein, au sens de l'algèbre linéaire, parce que là bah, vraiment on utilise des trucs assez pointus sur l'algèbre linéaire. Et ce, pour démontrer des petits résultats qui vont parfois ne semblent pas payer de mine, mais qui pourtant bah, amènent vraiment à un raisonnement loin d'être trivial.
Bon voilà, bah ceci conclut donc cet exode-call. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cet exercice en particulier ou par la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Vous allez avoir de nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous !